Bonjour la Fraiseur, comment allez-vous? Moi je vais très bien. C'est le début de la semaine. Je fais cette vidéo pour vous saluer et voir comment vous vous portez. C'est également l'avant-dernière semaine de l'année. Est-ce que vous en rendez même compte? Bon, machin un peu, vous allez comprendre. L'avant-dernière semaine de l'année. Mes frères et sœurs, c'est un truc de ouf. Cette année, beaucoup de personnes sont décédées. Même les gens riches. Franchement, si nous sommes en vie, si vous êtes en vie, moi je pense que vraiment, c'est la grâce de Dieu. C'est un truc de ouf. Dites-moi, mes frères et sœurs. Comment passez-vous vos dernières heures de cette année? Comment passez-vous ce temps-là? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus en ce moment? Est-ce que ce sont les dernières affaires de l'année avant que la fête ne commence? C'est un truc de ouf. Ça, c'est une vidéo faite avant la fête de l'année. Vous savez, quand l'année va commencer, les gens vont dire bonne année. Joyeux Noël. Ce sont des choses extraordinaires. Chaque année, c'est ce qu'on dit. Mais malheureusement, il y a des mauvaises choses qui se passent. Par exemple, cette année, le ministre ici a eu un accident. Récemment, le 8 décembre. Il y a un rappeur américain de 21 ans qui est décédé. Ah! Quand je regarde tout ça, je me dis vraiment, c'est grave. Et vous ne pouvez pas compter le nombre de personnes qui meurent à cause de l'alcool quand même. Est-ce que vous êtes au courant? Le nombre de personnes qui meurent à cause de l'alcool, la boisson. Un conseil, mes frères et sœurs. Ce sont les fêtes qui arrivent. Non? Faites attention. Ne buvez pas n'importe comment. Ne buvez pas n'importe quoi. Soyez prudent. Soyez serein. Soyez vraiment correct. C'est un mot plus correct que correct. On va le dire. Mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Si vous êtes abonné, si vous êtes bon, ce n'est pas le fruit du hasard. Moi, je pense que c'est la grâce de Dieu. Il y a même encore des gens qui ne se sont même pas encore abonnés parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais si votre temps est venu et que vous vous êtes abonné, c'est extraordinaire. Je vous demande de regarder nos anciennes vidéos. Dans nos anciennes vidéos, vous verrez des choses hors du commun. Vous entendrez beaucoup de choses en rapport avec les trucs chelous qui ont lieu dans la fin de l'année. Nous ne voulons pas refaire cette vidéo, mais nous vous invitons déjà à aller les regarder et découvrir ce que vous devez découvrir pour même sauver votre vie. Mes frères et sœurs, prenez soin de votre famille. Embrassez votre femme, embrassez vos enfants et appréciez la vie que Dieu vous donne aujourd'hui. Parce que c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? C'est un truc de ouf. Par la grâce de Dieu, cette année s'est passée très bien dans l'ensemble. Je n'y en suis pas. Mais en ce moment, je ne peux pas vous dire que tout va bien. Parce qu'on a un souci que nous devons résoudre avant le 1er janvier prochain. Ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent, j'ai expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un souci avec YouTube, nous devons faire des mises à jour, supprimer certaines vidéos. Ce n'est pas une chose qui nous plaît vraiment. Mais ça ne va pas gâcher l'ambiance. Faites tout ce qui est possible pour terminer l'année en beauté, pour terminer l'année en joie. Si vous êtes voleur, arrêtez tout ça. Si vous êtes drogué, abandonnez la drogue. Si vous consommez trop l'alcool, abandonnez votre mauvais comportement.
afin que l'année se termine bien. Si vous l'avez fait, si vous avez réussi avec même la grâce de Dieu, dans la prière, Dieu vous a aidé, même, oh, ça sera chic. Là, je dirais, l'année a été bien pour vous. L'année a été bonne. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est sérieux. C'est sérieux, cette affaire d'alcool. Ça, c'est un truc de ouf. Faites attention, mes frères et sœurs, ne pas consommer n'importe quoi et n'importe comment. Là, ils sont dit, si on achète un truc, il y a le soleil. Oh, parfois, mais tu veux pas acheter un truc, il n'y en a pas. C'est un truc de ouf. J'ai acheté un truc là-bas, là, mais la fin n'est pas sortie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a même fait aux gens? Qu'est-ce qu'on a fait aux gens? Tu te l'as. Oh, il doit aller me faire coiffer. Bon, ok. Allons. Allez chez le coiffeur. S'il est là, tu veux me faire coiffer. Vous voyez, dans la vie, tout ne peut pas être rose. Tu peux te lever, tu vas dire, bon, je sors. Je vais acheter un truc, peut-être une voiture ou bien une maison. Et il y a des choses du contretemps qui viennent pour cacher l'ambiance. Des choses qui viennent pour cacher l'ambiance. Ah, ça aussi, c'est déjà arrivé cette année, non? Oui. Même l'année prochaine, ça risque d'arriver encore. C'est pas parce que 2020 arrive qu'il n'y aura pas de problème là-bas. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de problème ou bien qu'il y ait des problèmes. Le truc, c'est de savoir surmonter tous nos soucis. C'est ça le plus important. Et pour pouvoir bien gérer sa vie en ce moment-là, moi, je vais vous dire qu'il faut vraiment s'accrocher à Dieu. Qu'en pensez-vous? Il faut vraiment s'accrocher à Dieu. Et quand on dit Dieu, il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je l'appelle le Seigneur Jésus. Il a fait beaucoup de choses. Moi, c'est mon seul sauveur. Peut-être que toi, il a fait beaucoup de choses pour toi. Vous savez, ce sont les gens qui ont vu la main de Dieu qui peuvent parler avec assurance. Moi, je crois que Dieu existe parce qu'il m'a ressuscité. Il m'a donné la vie. Il a fait tas de choses pour moi que vous ne pouvez même pas comprendre facilement ici. C'est qu'un jour, je viendrai et vous ferai ce témoignage. Et vous allez comprendre combien de fois avoir la protection de Dieu, l'aide, le conseil de Dieu, c'est une bonne affaire. Vous devez me croire, mes frères et sœurs. C'est pas une information, c'est pas discuté. Si Dieu n'existait pas, qui va même exister ici? Qui va exister ici? Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites cette semaine. Qu'il vous donne l'intelligence, la sagesse, qui vous permette de terminer tout ce que vous avez bien commencé. Et qu'il soit toujours avec vous pour vous protéger. Quant à nous, nous sommes en train de travailler pour améliorer la qualité des vidéos de Nyansrebon. Et il y a d'autres vidéos qui vont venir. Nous sommes même chauds. Mais nous attendons de terminer le travail. Nous sommes en train de travailler. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'il soit terminé le travail rapidement. Et vous verrez la suite. Si vous n'êtes pas abonné, vous mettez un partage à cette vidéo. Et dites-moi comment vous dépensez votre journée. Si vous travaillez, c'est une bonne affaire. Faites attention à ne pas acheter n'importe quoi aussi. Parce que quand les gens trouvent l'argent, ils dépensent l'argent n'importe comment. Il y a les gens qui ont faim, il y a les veuves, il y a les orphelins. Il faut quand même penser à ces gens-là aussi. Hein. Ou bien, il faut quand même penser à ces gens-là. Ou bien, il faut se réveiller un peu. Et il y a un problème aussi sérieux qu'ils sont en train de voir. Il y a des gens qui se font passer, il y a certaines personnes qui se font passer pour des SDF pour soutirer de l'argent aux champs. Que pensez-vous de ce genre de situation? Que pensez-vous de ce genre de personnes? Ah, vous voyez, si vous me faites coiffer, le coiffeur c'est ici, lui aussi il n'est pas là. C'est quoi cette journée-là? Mais je ne dois pas perdre l'espoir. Je dois aller jusqu'au bout de mes idées. Vous voyez, le coiffeur n'est pas là. Là où il va acheter la nourriture, elle n'est pas là non plus. Ah, ça arrive.
Est-ce que je dois continuer à avancer ou m'arrêter en chemin? Dites-moi, mes frères et sœurs. Soyez prêts. Nous parlerons de cela, de beaucoup de choses dans les prochaines vidéos. Quels que soient les obstacles de votre vie aussi, n'oubliez pas que baisser les bras, ce n'est pas une option. Il faut aller jusqu'au bout de ses idées. Alors, je vais continuer à avancer. C'est parti.